Le palais de Jabba est un jeu de la gamme Love Letter, dans l'univers de Star Wars. Les joueurs défaussent des cartes et tentent de mener à bien leur mission, ou d'être le dernier survivant. Dans le palais de Jabba, les joueurs s'introduisent dans le domaine de Jabba le Hutt pour se battre. Le jeu est composé de 19 cartes personnages, séparées en deux camps, celui des rebelles et celui de Jabba. Contrairement à Love Letter, les joueurs ne cherchent pas forcément à garder la carte de plus haute valeur. Dans le palais de Jabba, la victoire dépend d'une carte mission piochée lors de la mise en place. Cette carte reste active pour toute la partie et annonce les conditions de victoire. Au début de chaque manche, les personnages sont mélangés. L'un d'eux est mis de côté et chaque joueur reçoit une carte. Lors de son tour, le joueur actif pioche une carte, puis défausse l'une des deux cartes qu'il a en main et en applique le pouvoir. Dans Love Letter, chaque numéro est associé à un pouvoir spécifique. Ce n'est pas tout à fait le cas dans le palais de Jabba, et une carte de même valeur peut avoir un pouvoir différent suivant son clan. Le tour passe au joueur suivant, et ainsi de suite jusqu'à ce que la pioche soit vide. Le ou les gagnants dépendent de la mission en cours. Autre possibilité, être le dernier survivant. S'il ne reste plus qu'un seul joueur encore en jeu, il gagne automatiquement un jeton. Pour remporter la partie, il faut avoir entre 3 et 6 jetons suivant le nombre de joueurs. Pour conclure, le palais de Jabba est une déclinaison de Love Letter qui va plus loin que la simple thématisation.